toi la limité toi Kangi boulevard et la suite à nous. Président Félix Tshisekedi a bougé. Président Félix Tshisekedi, basomo na été, bah rumeur est amolie, peine nous en niveau qui chasse na minute au zoloba. Et puis moi, bah manifestation et salami. Mais yambona qui est na musika. Merci encore de choisir ce programme. Merci la grande dame Francine Mede à Belgique. Na bah attention et puis na confiance à Zopé Sabiso. Rapidement, l'article que j'ai devant moi ici, la source c'est l'article que je viens de puiser rapidement sur radiocapi.net. Le titre c'est ceci. La disparition d'un avion assurant la logistique présidentielle. Un avion cargo assurant la logistique présidentielle a disparu jeudi 10 octobre entre Goma et Kinshasa, avec à son bord 8 personnes. D'après un communiqué de l'autorité de l'aviation civile, il s'agit d'un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de la RDC. L'appareil est parti de Goma jeudi à 13h32, temps universel. Il a perdu contact avec le centre de contrôle dans les airs aux environs des 15 heures, alors qu'il devait atterrir à Kinshasa à 16h43, temps universel. Le communiqué officiel de l'autorité de l'aviation civile parle de 8 morts, 4 membres de l'équipage et 4 passagers civils et militaires. Mais des sources parallèles proches de la présidence de la République renseignent que l'aéronef avait son bord près de 27 personnes, dont une dizaine de gardes du président de la République, 9 collaborateurs civils et des véhicules de la présidence. Les mêmes sources signalent aussi la présence dans l'avion d'un des chauffeurs du président de la République. Aucun des passagers n'aurait survécu. Et les débris calcinés à cet appareil seraient donc retrouvés à Kasese dans les Maniema, renseignent des sources de la régie des voies aériennes. Lis pour vous sur la radio ecocapi.net. Voilà, chers amis internautes, contrairement à ce que les gens disent que le président Fatih a raté coup d'état en avion, Ndenge Salama Kinaba, ministre Moussoussou, les gens circulent et spéculent des informations qu'il y a complicité de Kingakati là-dessus. Nous dénonçons cela et nous ne confirmons pas aussi cela, sauf que nous disons ce que Radio Kapi nous fait voir. La source, selon les enquêtes. Mais tout du moins, c'est un dossier à suivre. Je venais recevoir les appels venant de Kinshasa. J'ai pu tenter un peu d'appeler 2-3 personnes, nos contacts qui sont là-bas, nos représentants de Congo Dialogue. Ils nous disent que non, Balamouki n'a sans moque à bien té. La tension n'est pas bonne, bien sûr, émotionnelle. N'est-ce pas? Les uns parlent que le chauffeur du président qui est décédé. Et les gens parlent que le dossier crash est en ton œuvre et manifestation à Kinshasa suite à ces crashs. Donc, il y a tant d'autres réactions, tant d'autres spéculations que nous ne voulons pas confirmer parce que nous ne voulons pas baser nos arguments, nos émissions sur les spéculations
que les gens disent, nous avons besoin de plus de sources fiables pour que nous puissions venir dans vos petits écrans nous vous signaler cela. Donc jusque-là, nous nous réservons de dire que le chauffeur est décédé parce qu'on n'a pas encore la confirmation. Donc voilà, par rapport à ce qui a été dit, il y avait 8 passagers qui sont morts. Au contraire, les sources de la prison disent qu'il y avait 27 personnes au bord de cet entonnoir. Alors, pour le moment, je crois que le président est déjà arrivé à Kinshasa. Les tensions sont là. Donc, apaisons-nous. Le président est en bonne santé avec la première dame de la République, Madame Denise Tshilombo. Donc, calmez-en jusque-là, calmez-en. Mais dis-moi, cela suscitait quand même des débats, des réflexions, des discussions venant de nous, les compatriotes, nous, de la diaspora, nous, les Congolais, disons, mais comment cela est arrivé, n'est-ce pas? C'est vrai que ça peut arriver, mais du fait que comme il y a une disparition à Moutouka et puis un chauffeur naïe, ça ne donne pas une bonne impression, pas même une année dans le haut pouvoir, et on puisse connaître de telles incidences qui ne sonnent pas très bien, n'est-ce pas? Ça ne sonne pas bien. Cela, cela révèle quand même la défaillance sur le plan sécuritaire de notre de ceinture sécuritaire de notre président. Parce qu'on se posta des questions là, tu vois. La voiture blindée du chef de l'État était à bord de l'avion disparu, des radars, parce qu'il n'y avait pas de contact. On commence toujours, on continue toujours à faire des recherches, tu vois. Les recherches sont lancées. On continue à faire des recherches. Mais c'est ce qui est un peu curieux. Le système sécuritaire de notre pays, il faut quand même qu'on se le dise. Ça pose un peu tant de questions. Tour de contrôle, ça pose tant de questions. Et moi, je suis sûr que déplacement de sa président, c'est connu, c'est pas du jour au lendemain président Lamou qui commande en États-Unis, en Belgique. Tout est déjà planifié, je suis sûr. Et même le voyage qu'il fera peut-être la fin du mois d'octobre ou novembre, même la fin de l'année, combien de voyages il va faire, je crois que c'est planifié, il y a quand même un calendrier. Oui, au Tolobate, que Tolamou qui n'attend, au Tébite présent, qui est Mbokanine, et puis avion n'a pas utilisé. Et comme vous savez, toi et moi, chers téléspectateurs, vous êtes abonnés à Congo Dialogue, ce qui se passe à utiliser quand l'avion est rwandais, l'avion des Rwandais, ça a causé pour des polémiques. Tu vois, on s'est dit, mais comment Joseph Kabila qui a participé à l'avion présidentiel, à Matang et à Mugabe, le président Zan en Belgique, et puis a participé sous soutien à Matang et à Jean Chirac, à Zan États-Unis. Bon, tu vois, ce sont des spéculations, et puis, question, ils ont son agamitué à Bissoba Congolais. Alors, je trouve que c'est une interpellation, cette incidence, comment renforcer sécurité à président, parce qu'il n'a pas encore une année au pouvoir. Disparition, bon, arata au moins peut-être ça l'a 5 ans, peut-être 4 ans, mandat mon récit deuxième mandat, bah au moins le cas stratégie de Nignaco, peut-être si vous dites interrégulier, le coup d'état, tout ça, mais pas même une année, te connaître déjà, défaillance sécuritaire, un contact des athées dans radar, je ne sais pas ce qui pleut, venait ou comment, et ça ne sonne pas bien. Je suis sûr que tout le déplacement, tous les voyages du président doivent être monita, comme on dit, planifié, et puis il y a quand même des gens en secret qui sont sur place, ce qu'on est en Goma. Gens secrets sont déjà sur place. Avant de voyager, par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi, n'est-ce pas? S'il va voyager le lundi, il y a déjà des mesures sécuritaires et salamaka, ils ont checké kérosène, ils ont checké pilote Nerotamboussa, combien de passagers sont là, un état, il y a avion, tout ça, et que sur curieusement, tout le Mkanatongo, avion disparaître, tu vois, et ça ne sonne pas bien, ça crée quand même des temps. Ça crée des tensions. Sur ce, d'un côté, de l'autre côté, nous voyons un article qui est devant moi ici, que les militants de l'UDPS, Télémy Batcha Makelele, pour aller, ils se disent qu'il faut qu'il y ait un divorce entre l'UDPS ainsi que le FCC, donc disons le président ainsi que le FCC. Et puis, il s'est décidé de se rendre à Kingaka. Guys, vraiment, bande de coteaux, tous à la caméra, bah, Mikolo, hein. Qu'on soit quand même mature sur le plan politique. Donc, président d'Ake Goma, après le tournée, il y a Europe, Ake Goma. Bon, c'est quoi Ake Goma? Kingakati, Yayezanakati, Kunani. Qu'on se le dise quand même. Est-ce qu'il y avait les membres des FCC à l'intérieur de l'avion? Il n'y en avait pas. Hein? Est-ce que c'était les pilotes des FCC qui conduisaient l'avion? Come on, guys. Tout quand même, hein, tout ça, là, quand même, ma maturité. Et ça, non, événement, pas ça. T'as l'énergie là que vous voulez aller à Kingakati. Canalisons ces énergies là, quand même, hein, et utilisons quand même la maturité politique. Et on peut, bon,
Je ne sais pas, moi que vous avez des preuves, des sources valables et puis valides que non, effectivement, ils allaient qui coup d'État, Kingaka, Tinde, Lingon, Salapoba, éliminer le président, mais raté, va faire disparaître l'avion. Peut-être vous avez des sources, mais s'il n'y a pas de sources, moi je trouve que c'est perte, il y a temps et puis ça crée encore des tensions dans notre pays. Inutilement. Donc, c'est juste une interpellation pour à nos militants de l'IDPS, à nos amis congolais soutenant le président Fatshi. Dans ce qu'on dit, nous ne voulons pas être des fanatiques du président. Nous soutenons, mais nous, on n'est pas des fanatiques. Donc, ce n'est pas dit que tout ce qui est comme erreur, tout ce qui est comme incidence, dont nous acculons cela, na FCC to na Kingakati. Après tout, n'est-ce pas que lui-même, le président, avait dit que le président, le FCC ainsi que Joseph Kabila Bazaba partenaire. Ce sont des partenaires. Alors comment un partenaire peut-être créer des coups d'État à son partenaire? Là, ça devient un peu bizarre, là, n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. Donc, partenaire à quoi que ça appartenait pas bon ma voisine a été quand même après tout là, ça devait la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est comme si ce sont des partenaires. Alors, vous les militants, acceptez que le président Fatshi a dit que FCC et Kingakati sont des partenaires. Et peut-être le président Fatshi a kenda comme la café na Joseph Kabila, na Kingakati, n'est-ce pas, Mabouaka? Qui sait? Ah, mais la café, si quoi, bino bossa, tivundu, oh non, alinga l'ex-président Abiso, là, c'est bon, je sais pas. Ça, c'est juste une analyse. Vous comprenez? Mais ça ne sonne pas bien, chers téléspectateurs. Et cela ne donne pas une bonne impression. Mais dis-moi, en tant qu'analyste politique, en tant que journaliste d'investigation, je loue quand même le courage du président Fatshi. Béton, il est vraiment béton. Ce n'est pas facile. Un président, après le tournée, Europe, américain, tout ça, et directement, meeting populaire, et puis descend à Goma, et puis inauguration à laboratoire, donc c'est pas facile. Donc, dans moins d'une semaine, dans ça, il va tourner en Adam. Nous voyons comment, président, vraiment, c'est pas facile. Hein. Osa vraiment ma case, si tu es un homme apte, et je comprends pourquoi les gens t'appellent béton. Parce qu'il faut qu'à béton, dans sa Bible, si c'est un président paresseux, après qu'on ait ta Belgique, à Kiti, après Europe, États-Unis, on a un peu matin, 2-3 jours, on a Goma. Tu vois, naye mbalamoko donc meeting populaire, il a tenu quand même le coup à côté na ba membre ya ba mila ba généraux, tout ça soyina bango. Et puis alobi, il est prêt à mourir, il est aussi prêt à mourir pour l'est du Congo. Bon, ah bon, bah propos nandenga et le kelinga, le président est prêt à mourir. Bon, je ne sais pas sur base de quoi le président dit qu'il est prêt à mourir pour la paix na est ya mboka na biso. Bon, ce sont des propos, c'est un humain. Je ne trouve pas qu'il sera prêt à mourir. Donc peut-être c'est un parabole pour dire que je peux me sacrifier pour restaurer, ramener la paix dans notre à l'est du pays. Parce que tout commence là-bas. Tout commence à l'est. Afdel Est. Un Est. Un. Thank you. Tu vois, donc tout commence à l'est. Donc quand le président dit que je suis prêt à mourir pour la paix, pour la paix et la restauration de l'est de la RDC, cela ne veut pas dire qu'il sera Jésus. Parce que soit bien Koufa, soit Koufa n'était pas, parce qu'on a besoin, c'est un mandat 5 ans. Mais il y a, c'est quand même, ce sont des propos que nous pouvons quand même aussi quand même faire très attention lorsqu'on dit je vais mourir pour l'est. Parce que RDC sera est, monsieur le président. Hein? RDC, ce n'est pas seulement l'est. Il y a l'Équateur. Il y a Katanga, il y a Bakongo, n'est-ce pas? Il y a Mbujimayi, il y a beaucoup de provinces, il y a Kinshasa. Donc, ce qui est vrai, c'est que aussi que, bon, en fait, Est n'est parce que Mambeko est là, Kuna. Et puis, Est en richesse, c'est ça, parce que Ouganda, Rwanda, Burundi, Bazapembeni, on a. Donc, quand tu dis que Okufa Ponango, bon, peut-être, bon, qu'on lui donne la chance, c'est comme on lui donne la chance au président. S'il peut accepter de mourir aussi, se battre avec Paul Kagame, tout ça, bon, ce sont des partenaires. Donc, c'est juste pour dire qu'il est prêt à se sacrifier pour restaurer l'unité et la paix au niveau Est, de façon que nous, ce côté-là, qu'on a. Donc, c'était une parenthèse. Donc, concernant la disparition de l'avion du président, le président est en bonne santé. Et selon les informations que nous avons eues, c'est juste l'enquête qui doit être menée pour savoir où se trouve le chauffeur, sa voiture blindée, Ezawa Pinaminitoyo. Parce qu'avec les images que nous avons ici, c'est comme s'il y a une incidence, avion ou ça l'accident, donc ça crash. Et nous prions et nous souhaitons que tout soit vraiment
bah information te que bah passager bazaki na kati wana bakufi. Mais dis-moi que ça là ne se passe pas outre comme ça, chers téléspectateurs. Bah mien tourno baza branché connecté na Congo Dialogue. Bah baza pe pemeni na ceinture ya président et les kabiso outre ndengwana te. On doit vraiment ouvrir nos yeux pour assurer la bonne sécurité du président de la République, pour que ces bêtises ne reviennent pas. Centre de contrôle, aviation civile, papa, signal les athées, contact les athées, comment ça? Mboula pèse à la guité, comment on peut expliquer ça? Donc il faut qu'une enquête soit vraiment menée. Ben, qui était dans la shift, on duty, qui était assez, dans la control room ou en a? Non, c'est dans le contrôle ou en a pas, non, signal les athées. Comment il peut échapper? Parce que le temps était bon. Des fois, ça, y a pas de fréquence lorsqu'il pleut, lorsque les vents soufflent. Mais en réalité, quand je lis, là, il n'y a pas de vents qui ont soufflé. Donc, il faut pas l'endroit bleu ou en a tout. Botika, on n'y en a pas. Botika, on n'y en a pas. Il faut pas l'endroit bleu. Il faut pas l'endroit bleu. Contrôle ou en a. Dans ce stade, il faut pas l'endroit bleu. Comment se fait-il que contact les athées radars et aux salatés? Et toi, il va péter Bungi, na RDC. On a quand même des B-50, des Boeing 737, na bambo ke belé kout na bababa. Autrement, na ba Paris, longwe, d'une ville à une autre ville. Bah ça, les enquêtes, nous allons retrouver quand même à ta bendis. Mais comment voyage présidentiel? Et comment tu n'as niveau de non signal et Katani? Si vous êtes présent, vous êtes en 4, vous êtes présent à la place à Zate. Donc, c'est que et le présent pouvait être disparu. C'est ce qui est bizarre. Donc, nous interpellons qu'une mesure de sécurité puisse être vraiment renforcée de sorte que notre président soit sain et sauf. Voilà. Merci à la grande Francine Ngem de la Belgique. Un dossier à suivre, la disparition de l'avion, la disparition des navires sur la logistique présidentielle. Donc, un dossier à suivre. Alors, Bande Konabi, soyez des pèses, s'il vous plaît, beau dosé, nanou, hein, beau dosé. Déjà que ça ne va pas à pouvoir, même au moment où ils ont ok à limiter, voyez, ils ont été en pouvoir, ils ont bloqué. La manifestation, ils ont réclamé colère là-bas. Donc, voyez, ils ont été en voilà, vous-même, comment bah, congolais. Tu vois, on a limité, tu vois, Kangi Boulevard, et ensuite, tu as mis. Tu comprends, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu chef de l'État, donc le président Zoma qui a été mouru. A l'objet que ma solo me soit en que le chauffeur n'avait pas confié, président. Ok, merci papa. Il y a un libino le lobe à cadre sur le militant UDPS, il y a un tomboki, c'est ça? Bon, tu tomboki, on a le lobe au plus. Merci beaucoup papa. Nous avons un point de vue à peuple congolais par rapport à la Lélo. Moi, je suis un fils de mon copain. Je suis un combattant.
Makamunyo sona yebi saba tuke Kabila Kabila c'est Satan du Congo ba moni ngo. Bon amboka Joseph Kabila ndimi alternance. Alternance après. Après ça biso kado. Encore yeko kene malembe malembe FCC na ka jolo bilo ka. Kabila moi ba question musulman ngo. Kabila pesa biso kado to peuple ta vota pas. Kabila n'a pas donné, ça c'est pas un pouvoir cadeau. Et ça n'est pas ça n'a pas lobby que Fatih n'a pas voulu à ça la justice, justice c'est ça. Mais Kabila commence à planifier des choses parce qu'à comprendre que Fatih qui est encore découvert, bah mafia n'y a ça là. Mais fils Moukoko, avion peut écraser parce que peut-être météo est à qui m'a bé. Tika ma bino pas météo. Et quoi qui peut écraser? Avion peut écraser. À travers le monde, bah avion peut écraser, écraser. Et là quand on a fait ça qui est-ce que yo Olanda y météo et le bail qui a fait ma tête? Et Kabila a des plans. Mais est-ce que n'a qu'à ta coalition? Tika n'a pas répondu, non, s'il te plaît. Tita. Répondez à mon compte. Laisse-le un peu. Attends, vas-y. Dans les pas mes amis que. Kabila, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'évolution des choses. Kabila a constaté que Fatih a perçu une éducation gratuite et a pris définition objectif 2023. Fait qui annonce que l'année prochaine, secondaire, ils ont offert. Nous sommes mes bébés. Alignant mes coups d'État. Le lendemain, ils sont là, mes années avant. C'est-à-dire, ils dépensent au Bangou, ils le quoi, ils salut coalition, ils ont fait un copain. Ils ont aussi là. Oh les agouts tu te passes si mal dans le détail. Nous allons donner. Si quand Bozo Senga a watraché salami bat makufi, Bozo Senga nini exactement? Lelo par exemple. Pendant qu'on réparait ma préjudice. Les problèmes ça d'abord de les anas crache le gros salami. Mariage en a pour nanga il fait tata. Et quand t'as déjà? La linga en mode d'abord. Mais on peut suivre nos la loba mariage joie à Angelou na démon. Oui, peut suivre ma ministre la ministre la coalition la coalition au moins ma bino pour son coalition mariage joie na na linga kamote il faut pas pour mango présent dissoudre parlement abenga peuple na oba ben élection anticipée. J'ai dit tambo que ça va marche wana on discute pas ba des autres to ça la moboye ba que président Lobaki qui est partenaire avec le FCC et Kingakati ba partenaire est-ce que yo partenaire ngobun sa partenaire est-ce que ça a des sens créer seulement des tensions dans la capitale pour rien le temps l'énergie là il faut canaliser ça d'autres choses to que to sali bilanga to que to lugi balar to koti ma shift na poko zungu mandunda ma Thompson ba bana ba yena ngo ki kolexara journée banda tongo ti pokwa a sont des choses il faut quand même une certaine maturité politique que nous demandons à nos militants à nos frères et sœurs compatriotes et c'est vrai que nous aimons les présidents mais blom sous tout talango to bo santé baza ba partenaire posez-moi à l'obagi mais tout le monde là non bah nous un contrôle room wana hein nous avons na salle de contrôle wana hein radar est bungi contrôle les athées donc bah zoe non ça ne va pas non les centres de contrôle hein dans les airs environ de 15 non il y a pas de contact ça ne va pas donc l'appareil a perdu contact comment il y avait pas un mauvais temps. Ça se passe comment? Et puis, logistique à président de la République, le RDC, plus de 80 millions d'habitants, hein? Ceux qui 26 provinces. Non. Ça, ceux qui ont eu une formation, ils ont eu une formation, tout ça. Et puis, tout renforcement de matériel, même ceux qui ont eu à Kala. Signal et Bungi, la minute Mouké. Ça ne va pas. Hein? Pas même une année présente, la sécurité, la logistique et la. Et puis parce qu'il doit voyager. Donc, il y a déjà interpellation de sorte que, avant fin de l'année, combien de voyages le président aura? Est-ce qu'il y a combien de voyages pour aussi en décembre le 31? Avion in Orozoa. Aobo, Rokara, Rode, Faraya, Rwanda, tout, Azan, Voyenne, Moko. Logistique, Karezon, tout, signal, tout de contrôle, tout, qu'on vérifie tout ça. Hein? Pour quitter le terrain, pour vérifier, tarmac, tout. Donc, nous, c'est Simbi. Ça ne sonne pas bien, ils ne sont pas. Ils ne sont pas capables de sécurité à la présidence. Ils ne sont pas donc aviation civile, ils ne sont pas capables. Tout le monde a la rôle, tout le monde a la distraction, tout ça, la dépense. Prenons cet argent-là, mettons ça pour la sécurité à la présidence. C'est le matériel qu'on achète de nouveaux matériels. N'est-ce pas? Pour ça, la bien. On est d'accord, hein?
Prof Bellon, merci. Prof Bellon, Nassau Teriva, merci pour votre soutien. Merci, Mme Francine Nguema de la Belgique. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de Bozolanda Bisso. Oh, Francis Bambongo, na pesio mbote. Na bo sanite, mo pao, le grand boss, a nzetambi la mutaboya mpiaka na defo. Pao alo mama, nzetambi la mutaboya mpiaka na defo. Ma grand prêtre na racha Johannesburg. Bo sanibi note. Un dossier à suivre, restez connectés, branchés sur Congo Dialogue et abonnez-vous massivement. Facebook.